Ah bah une location, ça réserve parfois des surprises. Mais hein. Cette pièce, elle est malade. Elle est pleine de champignons. Ça me fait penser à ce que disait mon vieux professeur. Quand vous avez des champignons sur les murs, vous avez deux logiques possibles. Vous pouvez les mesurer, les dénombrer, faire des biopsies, des prélèvements pour savoir ce que c'est comme champignons, et puis mettre au point un produit chimique adapté pour les tuer, ces cochons de champignons, puis éventuellement continuer de projeter de la chimie régulièrement pour pas qu'ils repoussent. Bien sûr, toute cette chimie finit dans le reste des tuyauteries et va polluer quelque chose d'autre. Ça, c'est une première logique. Une autre logique consiste à se dire, mais c'est confiné là-dedans, il y a de l'humidité, il y a du froid, ça macère. Il va falloir faire rentrer l'air, la lumière, la chaleur, faire circuler. Et à ce moment-là, les champignons, le climat change, les champignons disparaissent et ne reviennent pas puisque le climat est assaini. Traiter les murs au lieu de traiter les champignons. Il faudrait toujours, si on raisonne en pensant au corps humain, garder cette logique en mémoire et traiter effectivement le général au lieu de traiter le particulier, de façon à ne pas avoir en permanence des traitements de type antibiotique ou chimiothérapie préventive ou que sais-je, qui bombardent en attendant que quelque chose ressurgisse au lieu d'assainir le terrain. Pensez-y. Bon, en attendant, on va quand même nettoyer un peu.